practical inspiration to all. Working hard every day, never to fall. From bottom to the top, Tome Psycho never stops. Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. On reprend là les gars, on est en Coupe d'Italie contre Vérone. Vous êtes à Vérone, j'arrête. Du coup, Coupe d'Italie, on va avancer un maximum. Pour l'instant, encore une fois, hein, au niveau de nos objectifs, meilleur buteur du championnat, on est largement devant pour l'instant. Donc, je pense que ça va le faire. Ce qui va se jouer beaucoup, ça va être le championnat, hein, qui va pas être une très simple. On va voir ce que ça va donner. On va jouer quand même ce match de coupe, parce que pourquoi pas essayer de faire un petit truc sympa sur cette compétition. Et puis aller après ben, jouer les premiers matchs de qualification de LDC. De qualification, d'élimination. Huitième de finale, aller-retour. Ça va être sympa. Allez, Hellas Vérone. On est bon. Donnez-moi mes défis là. C'est quoi mes défis? J'ai pas regardé. Note, atteindre taux de réussite de dribble, atteindre le volet but. Ok, vas-y. On y va. On va essayer éventuellement de... Parce que là, on a beaucoup de matchs. On a fait la coupe, on a fait la super coupe, on a la Ligue des Champions, on a le championnat. On va peut-être essayer de sortir assez rapidement si on arrive à se mettre entre guillemets en sécurité sur le match vite quoi. Après c'est pas dit parce que ben on joue quand même dans une difficulté qui est pas si simple. Donc il va falloir essayer de faire ça correctement. Et si on peut se mettre à l'abri vite, peut-être qu'on sortira pour pas se blesser, surtout pas se blesser hein, c'est ça qui va être important. Parce que si on se blesse là, ça peut ruiner notre saison là. Mais quand je vois les passes de mes adversaires, je me dis que le match devrait le faire, non? Le karma va me frapper tellement fort, je le sens. J'ai voulu frapper. J'ai voulu frapper, c'est Rabiot qui avait la balle. Il a mis une minasse. Ok, bien joué Adrien. Bien, bien frérot, c'est bien ça. J'aime bien ce joueur, moi. J'aime bien Adrien. J'espère qu'il va rester avec moi. Hein, parce que là, toute notre défense hein, est partie. C'est assez fou. Donc du coup, on a acheté Badi Achille. Enfin, le club a acheté Badi Achille. Mais nos meilleurs défenseurs centraux sont partis en milieu de saison alors qu'on est en pleine Ligue des Champions. Ça, franchement, ça peut vraiment jouer hein, sur les résultats parce que la défense, bon, bah, c'est pas moi qui la gère. Donc quand t'as des bons défenseurs, tu peux un petit peu espérer aussi qu'ils bah, fassent des interventions assez intéressantes. Quand ta défense est moyenne, là, notre meilleur défenseur, il a 82 de général. Hein. Donc ça peut vraiment être tendu. Hein. D'autant plus qu'on joue avec 3 défenseurs centraux. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant en tout cas. Finis-le. Bien joué, let's go. Magnifique. Magnifique. Allez. C'est bien ça. Tu vois, ça joue bien là. Hein. Les stats qui réduisent les risques de blessures. Force, endurance, je sais pas. J'avoue que je sais pas. Endurance, on l'a. La force, pas forcément. Mais j'avoue que je peux pas te dire. Pas de réduction du score, pas de réduction du score, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais, bien. Non. C'était chaud. Bel arrêt. À tête. Bien. Sortez. Oh là là, il nous a mis une frappasse là. Chier. Je
je fais des trucs comme ça aussi, ça va pas forcément aider le club, hein, j'avoue. Je joue sous le côté, tu vois, ils sont tous seuls hein, là-bas, allez. Oui. Oh non, il l'avait. Oh là là, il l'avait tué. Oh, il l'avait tué. Magnifique. C'est dur. En jeu. Ok, ça va. Les gars, oh, on peut se réveiller là, s'il vous plaît. Dommage, dommage qu'on n'ait pas pu aller. J'aurais bien tenté le petit 1 contre 1 là. Allez, pour l'instant ça va, mais bon, là, je peux pas trop quitter le match quoi, parce que si on se fait éliminer, c'est un peu con. C'était malin. C'était quand même plutôt pas mal hein, cet appel là, le petit centre. Ouais. Oh le tacle. Ouf, dommage. Dommage. Ils reviennent. Bien joué. Bien, bien, bien. Allez, si on marque un but, je sors, mais... Pour l'instant, on n'en prend pas la direction, hein. En fait, j'ai tellement peur d'être crevé pour les matchs de Ligue des Champions. Oh, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Oh, il aurait continué, il l'aurait eu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là 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 là, les petites fautes nulles comme ça. Après, je sais pas si le mercato est terminé, mais je crois. Hein. Ah, c'est vrai que niveau défense, là, ils ont chié dans la colle hein, au niveau des transferts. Let's go. Let's go, let's go. On va sortir là-dessus, les gars. Magnifique. On a fait la différence sur l'appel. On demande le remplacement. Et on s'en va. Allez, pas de bêtises, les gars. Ok, 3-1, c'est bon. On est passé. Et c'est nickel. Naples est passé, Lazio est passé, Milan est passé. Fiorentina, Bologne, Inter et la Rome. Oh putain, il n'y a que les gros. Vraiment, il n'y a que les gros là sur la compète. Hein. Ça va être tendu. Hein. Tendu, hein, cette histoire.
Allez, on continue. Justement là, tu vois, extérieur, je pense que je vais le simuler. Après, c'est risqué, mais on reprendra au pire les derniers matchs tout à la fin pour essayer de faire une différence. Mais tant qu'on gagne, tu vois, et qu'on marque des buts, c'est bon. Moi, j'ai pas forcément envie de jouer les full matchs sur le championnat. C'est Sassuolo qui est passé par Rome. Ah bon, je pensais que c'était la Rome. Autant pour moi. Classement. Étudions ça. Toujours 3 points de retard. Mais un match en moins, les gars. Un match en moins. Ah non, merde, c'est Milan, putain. Oui, non. Un match en moins et toujours 3 points si on gagne. Ok, t'as Milan, ils font une course devant, c'est dur. Hein. Ok, c'est la fin des transferts maintenant. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe, quelque chose. On a un joueur qui est parti à Bergame chez nous, j'ai pas forcément vu qui c'était. Ouais, il me semble que c'est Rome qui est passé 5-4 au péno, mais bon, apparemment j'ai dit une bêtise, donc on va. De toute façon, on verra. Alvarez, nanana, Rice qui part à la... Oh, les gars! Les gars, on a un nouveau milieu de terrain. Declan Rice. Je pense que ça peut être un très très bon transfert, ça, les gars. Je pense que ça peut être un très très bon transfert, ça. En MDC, du coup. Il n'est pas encore affiché. Mais ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal, ça. Vas-y, on va passer à date limite. Mais, ok. On a été renforcé ici. On va avancer d'un jour ou deux. Voilà, stop. On va faire l'entraînement et on va aller voir l'équipe. Alors, du coup, au niveau de l'équipe... Bah, on l'a pas en fait. Je comprends pas. À la base, on devait l'avoir et. Bizarre. Rumeur ? Bah non, quand c'est affiché dans le truc, c'est fait, non ? Bon, bah écoutez, je sais pas. Ah, c'était une rumeur ? Ah, j'ai le seum, putain. Oh non, mais moi je voulais Declan Rice, putain. Du coup, on a rien fait. Oh non. Oh les gars, c'est dur, sérieux. Info club. Le transfert, c'est fini. Brentford. On a rien. Ok. Bah tant pis. Sampdoria à domicile, on va simuler. On gagne 2-0. Vlahovic, doublé de Vlahovic. Nice. On va aller voir le classement des buteurs aussi pour vérifier que tout se passe bien à ce niveau-là. Là, c'est la coupe. Serie A, ouais, 30 buts, les gars. À tout moment, on est déjà meilleur buteur. Hein, donc, ok, c'est nice. Et là, coupe directement. Du coup, on va aller voir le classement en coupe pour voir qui est passé. Du coup, parce que. Là, c'est Sassuolo. Tu vois, j'avais mal vu. Bizarre, hein. Ah oui, Sassuolo, victoire 4-3. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai regardé 4-3. Donc je me dis, bah la Rome à 4 et Sassuolo à 3, mais en fait non, ça met le vainqueur. Ok. Non, my bad. Bah, je pense qu'on a réfléchi pareil, toi et moi, Swig. En fait, j'ai vu le score des pénaltys 4-3, je me dis, bon bah c'est 4 pour la gauche, 3 pour... voilà. Ok. Bon bah let's go les gars. C'est la coupe. La Fiorentina. Oh si, let's go. Oh, les petits défis qu'on va nous mettre. Vas-y, je vais laisser le jeu choisir. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, vous avez une note de match de 8,5, évitez la défaite. Voilà, c'est la victoire. Et la possession. Ok, donc on peut éventuellement sortir rapidement si on marque assez vite un ou deux buts. Ça pourrait être pas mal, quoi. Parce que bon, on est déjà en quart, donc du coup, au final... ça peut aller vite, cette Coupe d'Italie. Hein. Ça peut aller très vite. Après, bon...
Jouer sur tous les paliers, c'est aussi dangereux. Hein. Au niveau de la fatigue, comme je vous le dis, des blessures, ça peut faire un peu peur. Qu'est-ce qu'il fait, Vlahovic, là ? Rien, c'est pas terrible, cette passe. La culture, elle a, elle a. Partie de Chelsea. Putain, les dreams, j'avoue que les dreams contre l'ordi, c'est une galère. Hein. Vraiment, ils en prennent pas, hein, ou très rarement. Olé ! Oh là 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 là, la frappe du gauche ! Oh, incroyable. Deuxième. Oh, on l'a répété. Hein. Il y a faute là. Oh, monsieur l'arbitre. Putain, depuis que j'ai mis le truc coup franc, il n'y a plus un seul coup franc, quoi. Dommage, 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 dommage. Putain, son gardien, lui, il dégage bien, tu vois. J'aimerais bien réussir une fois à dribbler un joueur, quoi. J'aimerais vraiment réussir, hein. Je vous jure, j'essaye, hein, mais ça veut pas. Bien. Oh non, il est hors jeu. Oh putain, j'ai vraiment essayé de faire attention, quoi. Waouh, je la voyais bien. Dommage. Oh, je la voyais plus haute aussi. Ah, il y a faute. Oui, oui, il y a faute, j'ai vu, hein. Ah, j'ai vu, hein. Ah, il a voulu me tuer, lui. Salaud. Bon, ça, c'est parce qu'il est lointain que j'ai le coup franc. Mais why not, hein. Oh, dommage. J'aurais même pu être plus généreux avec la frappe, hein. Ah, c'est toujours pas moi. Hein. Même proche, c'est pas moi, les gars. Tiens. Donc ouais, je pense qu'il faut que j'augmente l'effet au final. Hein. On va être obligé d'augmenter l'effet, malheureusement. Ouais, mais tous les épisodes sont sortis, hein, du mode carrière. Hein. Sur la chaîne, il y a tous les épisodes, les gars. On est à jour. Hein. On a tout mis.
Oh, il a décalé. Oh, quel arrêt. Il avait décalé le gardien de ouf sur la droite. Ah non. Et à main. Fou la chance. Pardon. Ouais, je l'ai prise en pleine gueule. Oh là 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 là, magnifique. Magnifique. Bon, toujours 0-0, par contre on rigole, mais attention hein. Donc je suis éclaté quand même. Ça passe une fois sur 10 hein. Ah, pas facile ce petit match hein. Attention, hein. Vraiment pas à l'abri. Hein. Je vais aller pour une prise à deux. Mais vite, s'il te plaît, Chesney. Trop tard. Rabiot, merci mon frérot. Je fais un câlin. Ah non, c'est pas Rabiot, c'est Vlahovic. Oh, il me la met là. Je pensais vraiment pas qu'il allait la mettre. Je voulais le laisser jouer l'action tout seul. J'étais même surpris d'avoir la balle. Et au final, on marque. Let's go. Let's go, let's go. On s'en fout de marquer 15 buts. L'important, c'est la qualif en vrai. Même si ça fait pas partie de nos priorités. Toujours sympa. Ah, il y avait l'idée. Wow. Ouh là là, attention. Bien joué, regardez. Deux, hein. Pardon. Non, j'ai pas fait exprès. Excusez-moi. Ok, ça va. Ouais, c'est normal. Je l'ai défoncé. Quelle action. Putain, je suis désolé. Non mais... Waouh. Non, tu sais quoi, moi je demande le remplacement là-dessus. Non, c'est ce qu'on a fait là, c'est incroyable. Incroyable. L'action, elle est insane. Oh là 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 là, mais quelle vista les gars. On est chaud. Et on passe. Donc Sassuolo se fait éliminer cette fois-ci par l'Inter au tir au but.
la Juve, c'est nous qualifiés. Milan sort face à Bologne et la Lazio l'emporte face au Napoli. Ok, très bien. On continue à s'entraîner. On n'est jamais assez bon. Oh putain, là c'est important. Là, je peux pas trop simuler là. Troisième, hein. Ils sont troisième. Non, je peux pas simuler. Non, faut que je joue. Attends, voir. C'était quoi le transfert là? Ah ouais, non, c'était un duel, ok. Allez, là ça va être un match qui compte, les gars. Il va falloir gagner celui-ci. Là, si on gagne celui-ci, on va se faire un mano-mano avec Milan pour le titre. Là, on les recule très très loin. Y'a Griezmann? Ok, Griezmann, marrant. Ok. Allez. Je vais même pas regarder les défis que je dois faire parce que je vais me concentrer sur gagner en fait. Allez, focus. Let's go! Je te jure, on y va. Je te jure, on les explose. Allez, c'est un match tellement important pour le championnat. Ma vitesse fait la différence hein, sur le côté. Hein. Moi, si j'arrive à rentrer dans les 16, c'est dangereux pour eux. Je vais demander un centre. Oh, elle est belle celle-là. Ouais, ah ouais. Non, tu le sens. Tu sais, t'as le feeling. Quand tu sais que t'es bien placé, que t'as le temps. Pff, les gars, 2-0, let's go! Let's go! Ah, il y a peut-être eu un déclic, hein. Il y a peut-être eu un déclic, là. Hein. Le titre a peut-être... De la dernière vidéo et d'il y a quelques matchs, là, en live. A peut-être eu un déclic sur... sur le groupe. Par contre, faire des touches comme ça, non. Quoi ? Oh, allez, monsieur l'arbitre. Vous me prenez, là. Attention mon gars, je suis parti. J'ai attendu jusqu'au dernier moment pour avoir un allié. Tes mots forts en conférence de presse ont réveillé tout le monde. Ouais, je pense. Les dribbles. Franchement, si je marque un troisième, je pense que je sors, les gars. Question de fatigue, tout ça, tu connais, hein. J'essaie de trouver quelqu'un, mais pas facile, hein. Attention.
Putain, Paul. Frappe là. Dommage. Je pense que je vais sortir à la mi-temps, les gars. J'ai plus tellement de jus. Ah, je peux pas demander le remplacement là. Vas-y, reprends et je demande le remplacement. Parce que j'ai plus tellement de jus. Et je veux vraiment pas me blesser. C'est pas risqué ? C'est risqué, oui, mais bon. On gagne 2-0. J'ai bon espoir qu'il fasse pas de bêtises. Voilà, 3-1, parfait. Ça passe, nickel. Naples se qualifie. Ah non, c'était pas la même compète, je crois. Cet entraînement ici. Et là, on va arriver, les gars, au moment où vous voulez arriver. Le moment. Ça, on s'en fout. Putain, dans le derby, parfait. Et au niveau de l'investissement, là on a gagné un peu. Tu sais que je fais que des investissements pas risqués, je perds quoi. C'est fou ça quand même. Première fois qu'on gagne dans l'industrie de la musique, je crois. Ça on attend, hein. On investit 5 millions ici dedans. Putain. Vas-y, attends, ma activité, je peux pas tout acheter au final. En vrai, on achète tout et puis voilà. Vas-y, c'est quoi, j'ai tout acheté. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'y vais. Hein. 15 000, vas-y, tiens. Tiens. Peut-être ça va nous débloquer après plus de trucs avec des entraînements, des bonus ou des etc, tu vois. Parce que là, vu qu'il y a plein de choses disponibles et que ça bouge jamais. C'est ta première saison à la Jouve ? Ouais. Peut-être ça va nous en redonner après par la suite quand on aura tout acheté. Peut-être possible. Et ça pourrait être pas mal du coup. Ça pourrait nous être utile quoi. En plus j'ai toujours rêvé d'avoir un podologue donc franchement c'est cool. Puis d'un bureau moderne aussi donc franchement je suis content aussi. Autant tout prendre là. Les points solitaires, fiables ou virtuoses donnent des points bonus au stats. Oui, c'est ça. Après, ça, je touche par le principe que bon, bah, t'es even partout et qu'après, c'est à toi de choisir un peu où tu veux dépasser pour avoir les points bonus, quoi. Oh, une montre de luxe, de ouf. Toujours rêvé d'avoir une belle montre. Une voiture électrique, bah oui, bien sûr. Un programme financier sportif, bah oui. Une parcelle agricole, de ouf. Putain, y'en a des trucs, hein. On arrive à la fin, je crois. Un appartement, bah oui. Acheter un chef-d'œuvre, j'adore l'art. Faire un don aux hôpitaux, bien évidemment, avec plaisir. 500 000, vas-y. Acheter une nouvelle voiture de sport, ouais, bah ouais, après un don aux hôpitaux, on peut quand même prendre ça pour les impôts. Acheter un appartement de luxe, bah oui, hein, c'est le... Là, voilà. On a déjà le jet privé, bien évidemment. Donner de l'argent dans des zones à 1 million, voilà. Ouais, avec plaisir. Oh, j'ai pas assez. Oh, il faut 25 millions pour un yacht de luxe. Putain, on me l'avait pas dit. Je regardais mes thunes, putain. Ok, let's go. Ok, championnat de domicile, on va simuler. C'est risqué, comme d'habitude. Mais tant qu'on est en Ligue des Champions, on va quand même donner l'avantage avec des champions. Putain. Aïe, 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 le 1-1 qui fait mal. C'est pas grave. On voulait arriver là. On s'occupera du championnat après. Allez. 8ème de finale, aller contre les Leverkusen, c'est là où on voulait arriver les potes. Et on y est. Alors, sont leur équipe Frimpong, Griffo, Martinez, Oyarzabal, Tonali, Benacer, Diaby, Reis, Lenormand, Zubeldia et Bounou. Ok. Franchement, c'est à notre portée. Maintenant, Ligue des Champions, on sait qu'on a quand même beaucoup de peine, hein, nous, en Ligue des Champions. On n'est pas forcément super bon dans cette compétition. Allez. Let's go.
Les défis qui sont restés bloqués là-haut. Magnifique. E-sport. Oui, bien Vlahovic, superbe. Il va stresser. Wow. Bien joué. Mais... c'est quoi ça? Putain, je te jure. Vous vous rendez compte, e-sport quand même. Ils arrivent à laisser le truc de sélection sur le... Mais frérot... Bref. Même dans un mode fun, c'est pas en ligne rien, mon gars. Mais c'est quelle boîte de merde. Je te jure. On peut pas laisser tirer comme ça, en vrai. J'espère que ça lui passe entre les jambes, ça aurait été incroyable. Recommence BG en vrai. Bon non, vas-y, on joue. À la mi-temps, ça doit être s'enlever. D'ailleurs, mes défis, ça dit quoi? Ce jeu, je te jure. On n'a pas vraiment aidé devant. Hein. Notre bloc il est tellement bas. C'est pour être sûr que tu les fasses. Là je t'avoue que je sais même pas ce que je dois faire et que je veux juste faire un bon premier match là. Limite assurer la qualif pour ne pas jouer le deuxième. Tu vois ce que je veux dire? En gros, limite me mettre sur le banc rapidement quoi. Mais après bon, c'est toujours un peu risqué. Je crois que mon équipe, ils ont pas envie d'avancer en fait. Non? Avant! Non, on n'est pas dedans, hein. C'est impossible de passer, c'est impossible, c'est relou ça aussi. Les défenseurs, tu peux leur mettre aucune feinte. C'est que la vitesse quoi que où tu peux passer. C'est dommage. Non. Ok, hors jeu. Ça va. Boum. Dommage, dommage. Oh. Non. Oh non. Oh non, je suis pas blessé là. C'est méga dangereux ce qu'il fait comme tacle. Non, c'est bon, je suis pas blessé. Ok. Putain, il y a un monde où là je mets un but légendaire. C'est le même qu'à la dernière fois, j'arrive pas à trouver la bonne force.
Non, mais laissez-le, les gars. Prenez-vous pas la tête sur le genre. Vraiment. Tu sais, quand un mec vient sur un chat d'un mec qui joue en mode carrière pour lui dire « ferme ta gueule » et tu sais pas jouer, bon, t'as bien compris que bon, on joue en mode carrière, tu sais pas jouer, bon, ben, peu importe en définitive. Puis après, bon, le mec te dit quand même « ferme ta gueule » alors qu'il vient sur ton live pour regarder ton live, tu vois, c'est quand même compliqué, quoi. C'est comme si le mec, tu vois, il prend le CD de Maître Gims, il le met dans sa chaîne Ifi, il met play, et après il dit à Maître Gims « ferme ta gueule ». Normalement t'es con quoi, on peut pas faire grand chose donc laissez-le. Au pire ça fait juste qu'il regarde des pubs, ça file la thune les gars. Hein. Voilà, faut... faut juste retenir ça. Hein. Or je suis nul. T'as vu la raison en plus. Ah les gars j'ai un peu peur hein, quand même. 0-0 c'est pas un bon résultat. Pas là. Hein. Ouais, il faut vraiment marquer. Hein. T'as ça, c'est pas mon résultat. Ah, contre cette équipe-là, on devrait quand même faire la différence. Hein. En vrai, on devrait gagner. Ça nous permet plus de marge de manœuvre au retour. Mais pas réveillé. Après, à tout moment, je sors et au final, ça joue mieux quand je sors. C'est possible aussi. Hein. Tu vois, il y a vraiment des trucs bizarres, quoi. C'est... Les choix de passe qu'ils font, etc. C'est quand même chelou. C'est... Pas loin. Hein. 71e. Est-ce que c'est pas le moment de sortir un truc là? Tu vois, tu vois les choix qu'ils font, c'est bizarre quand même. Et tout, je peux jamais les demander. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Les gars, c'est avec des champions. Oh, faut se réveiller, hein. Oh, c'est grave, là. Bah ouais, c'était sûr. C'était sûr. C'était écrit, évident. Anthony Martial, putain, j'avais même pas vu. Let's go. Enfin, let's go, voilà, t'as compris. Bien joué. Voilà, merci. Allez, c'est bien. Et maintenant on les tue. Putain, il faut se prendre un but pour se réveiller quoi, c'est quand même chiant. Bien, je vais garder un. Donne-lui, voilà. Vas-y, on va sur le côté, vas-y, viens. Vas-y, allez, allez, encore. Voilà. Vas-y, je vais la faire la diff.
Non ! Tu l'as répété 1500 fois à l'entraînement, celle-là. Il est con, mais il est con. Aïe. Dommage. Bon, hein, ça reste un bon résultat, comme on dit à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'on aurait bien voulu se mettre à l'abri sur le premier match, histoire de... Voilà, histoire d'avoir un match retour peut-être plus simple. Tant pis, on verra bien ce qui se passera au match retour. Sinon, est-ce combien de temps avant le match retour ? Non, c'est pas là, c'est calendrier, il faut que j'aille. Ok, 2 semaines, ouais, c'est bon. Ok, ça marche. Bah écoutez, on va simuler jusqu'à la coupe. Je pense qu'on a qu'un match à simuler. On va aller faire le résumé. Où on en est à ce moment-là. Et puis ce sera bon, hein. On arrêtera aussi pour aujourd'hui. Hop. Donc là, championnat. On en est où ? Ok. Allez, faut gagner contre Bologne. Ah putain. Ok, bon bah là on va devoir jouer tous les matchs maintenant, je pense. Hein. On va devoir jouer tous les matchs, les gars, si on veut pouvoir gagner le championnat, parce que là, ben, ils sont en train de s'envoler, hein. Limite, je vous dis la vérité, j'ai pas envie de jouer la coupe. Il y a trop de matchs, en fait. Il y a trop de matchs et ça peut nous porter préjudice, en vrai. On verra ce qu'on fait, là au prochain live demain. Je pense qu'on va reliver dessus. Mais au niveau du classement, ouais, bon, on a toujours 4 points, donc ça va. Mais tu vois, on aurait pu faire une bonne opération, là. On aurait pu faire une bête d'opération en gagnant le match. Revenir à 2 points. Mais ça va être dur, hein. T'es remplaçant, enfin, attention, ouais, tu sais quoi, vas-y, on va faire ce match-là en coupe. En remplaçant. Ah non, je suis... Ah ouais, je rentre. Vas-y, on rentre là. Sur ce match-là, on termine ici pour aujourd'hui et on reviendra pour le match retour Ligue des Champions demain matin. Ça va être ça, je pense, les gars. Demain matin, match retour Ligue des Champions. Et là, on rentre. En plus, ils ont un carton rouge. On va essayer de faire la différence. C'est ma faute, totalement ma faute. Je voulais la mettre à gauche, mais je le voyais plus, donc je savais pas s'il était hors jeu ou pas. Attention les gars quand même. Ouah, je l'ai vu dedans. Je voulais la transmettre au milieu, mais il était encore hors jeu. J'ai dû attendre un maximum de temps. Bien. Putain, mais je suis éclaté. On passe là. Bien. Plus appuyé, la passe. Dommage. On l'avait étudié. T'as vu que je suis resté pile poil sur la ligne du milieu de terrain parce que je voyais qu'ils montaient beaucoup et que avec leur carton rouge, ils étaient déséquilibrés. Bien joué.
Oh, c'est le premier pénalty que je reçois. Ah, j'espère que c'est moi qui tire. J'ai pas monté mes stats en pénalty, je crois. Je sais plus. Ah ouais, indiscutable. Oh là là, là là, là là. T'as vu jouer en Italie? Ça nous apprend, hein. Bien plongé. Oh, c'est moi. Oh, c'est moi. Ah oui. Bah, frappe la balle. Oh bah, frappe pas la balle. Ah là là, premier péno, t'as vu ça un peu? Premier péno, Panenka direct. Pardon. Bah oui, à main, bien sûr. Oh là là. Les gars, but de légende. C'est pour vous. Regardez bien. Biche! Oh, si elle tournait, peut-être qu'il y avait moyen. Hein. Bah, pourquoi il est seul, lui? Prochaine reconce Juve Inter. Oh là là, on va vraiment avoir beaucoup des... On va avoir des gros matchs, hein. Focus-toi là. C'est un gamin. Tu fautes là, monsieur l'arbitre. J'ai fait le tacle tellement j'étais énervé. Viens, je vais te fumer. Viens. Viens. Allez, viens. Je l'ai fumé, là. Corner. Il m'a niqué, déjà. Allons, corner pour nous. Biche. Dommage. Ta tête une fois, non? Bien. Oh, c'est crochet, énorme frappe. Mais bon, ben, du coup, la première étape n'a pas marché. J'ai suivi. Oh, je la fous dehors. Ah non, c'est bon. Regardez bien la tête. Ma première tête dans FIFA. Allez. Nickel. On est bien. On passe ce tour. Et du coup, qualifié pour les demi-finales, je crois, il me semble. Donc plutôt sympa. Et puis bah écoutez, là on va tout jouer. Hein. Clairement on va tout jouer ici. Hein. Bah, il va y avoir la Ligue des Champions, il va y avoir la coupe. Et le championnat qui va être pas facile. Voilà, là, ça va être. Intense hein, cette fin de saison. Demain matin, je pense qu'on. Pas on finit, mais on aura bien avancé. On aura quelques certitudes sur ce qui va pouvoir se passer, ce qu'on va pouvoir réussir en tout cas. Oh, on récupère 1 million. Oh, magnifique. Magnifique. Faible, faible, faible. Vas-y, faut investir si on veut acheter un yacht, au final. Un yacht. Yacht. Prochain match, c'est contre l'Inter, championnat. Donc, du coup, ouais, ça va être important. Prochain match. Très important. Bon, bah, écoutez, les gars. En tout cas, on s'est bien amusé. Moi, je vous dis à très très vite, les potes. Faites pas trop les fous. Step Psycho. Bye tout le monde. Ciao, ciao, les gars.